passion. Donc à la base, j'y allais pour acheter principalement des activités pour occuper les enfants les jours où il n'y a pas d'école. Voilà, un jour sur deux, il n'y a pas d'école. Donc c'est bien d'avoir des activités à la maison pour les occuper. Donc je vais vous montrer, au final, j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi un produit que je voulais prendre. En fait, c'est pour mettre dans le jardin, enfin dans le jardin, les jours où il fera beau. Voilà, un jour peut-être. Donc c'est un grill comme ceci, il y avait deux modèles, il y en avait un à 15,95 € et un à 19,99 € je crois, enfin 20 €. Donc là moi j'ai pris celui à 20 € parce qu'il me paraissait, je sais pas, il me paraissait plus grand. Donc en fait c'est un grill, je vais l'utiliser pour quand on va faire des soirées burgers, quand on va vouloir faire griller du poisson ou même faire griller des légumes tout simplement. Donc ça je trouve ça vraiment bien et je le mettrai sur ma petite table, vous savez la table blanche que j'ai prise l'autre fois, enfin pas la petite table mais le petit meuble d'appoint. Donc ça va être parfait, je vais essayer de vous montrer une petite capture d'écran là si je peux. Pour enfin voilà, ça va être vraiment top, ça fera une petite cuisine d'été dehors comme ça va être sympa. Bon, faut le rentrer à chaque fois bien sûr quand il pleut et tout et tout. Mais vraiment dans l'idée, j'adore vraiment ce truc. Dites-moi si vous en avez un et si vous l'avez testé. Là, on va le tester là dans les jours qui viennent. Mais j'ai vraiment hâte, même pour faire des paninis, pour griller du pain, pour toaster des trucs, ça va être juste parfait. Parfait, parfait. Ensuite, j'ai pris donc pour organiser tout le coin d'Arthur, surtout d'Arthur, parce qu'il a beaucoup de leçons. Puisqu'il est en CP, et du coup c'est un petit peu le bazar en termes de voilà, d'organisation scolaire, de travail scolaire et tout. Donc j'ai pris ça en fait pour ranger, mais ça servira pas que pour Arthur, parce que je vais surtout aussi mettre tout ce qu'on va faire pendant les vacances, tout ce qu'on va faire là les jours où il n'y a pas d'école. Il y aura un compartiment donc avec tout le matériel, donc tout ce qui va être crayon, enfin les crayons de couleur, les crayons feutres. Là plus tout ce qui va être gomme, je vais en acheter plusieurs. Pour faire mon petit stock, taille crayon, enfin voilà, tout le petit bazar en fait scolaire. Et là, je mettrai tous les cahiers qu'on utilise pour l'apprentissage et tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, j'en prendrai peut-être un deuxième, mais j'en ai pris un pour l'instant, déjà voir où je vais le caser. Donc, est-ce que j'en mets un dans chaque chambre ou est-ce que j'en laisse un en bas dans le salon puisqu'on travaille sur la table de la cuisine? Enfin, je sais pas trop, mais j'ai pris ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour vraiment s'organiser parce que sinon il y en a partout, on n'y arrive plus et c'est le gros gros bazar. Ça coûtait 6,49 €. Pris une guirlande solaire comme ceci. Alors là, je ne les avais pas vues l'autre fois et il n'y avait qu'une seule blanche, blanc froid, sinon c'était multicolore. Donc ça, je suis vraiment fan, comme vous le savez, pour le jardin. Je trouve ça trop joli pour mettre dans des buis. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment sympa. En plus, c'est solaire donc ça ne consomme rien. Voilà, sauf que celle qu'on avait prise l'année dernière, elle ne marche plus, donc mais c'était pas une de chez Action, elle était de chez Jiffy. Donc comme quelqu'un m'a dit en commentaire, on va peut-être changer la pile et ça va fonctionner mieux. Enfin, ou pas, mais en tout cas là il m'en fallait une autre pour mettre dans le jardin aussi sur des petites plantations qu'on a. Donc 2,99 €. Franchement pas cher du tout. J'ai pris, puisqu'on va se faire une petite journée à la plage avec les enfants ce mois-ci, donc je sais pas trop, peut-être je pense vers la fin du mois. Donc il me fallait ceci, puisqu'on a fait un gros tri avec Anthony hier, et il y a des choses qui sont cassées, il y a des choses qui sont plus du tout, enfin tout abîmées, tout vraiment hyper dangereux, parce que ça quand c'est cassé ça fait mal, enfin ça coupe. Donc j'ai dit je vais en reprendre un, il y en a encore un petit peu qu'il reste, mais il reste plus grand chose. Donc j'ai pris un grand pack comme ça pour les enfants, en plus c'est dans un filet, donc du coup quand on va sur la plage c'est hyper pratique. Enfin voilà, vous prenez votre petit sachet comme ça et puis enfin, il n'y en a pas partout. Donc ça, moi je trouve ça bien. Comme ça, enfin, ils vont pouvoir s'occuper tranquille sur la plage. Et j'en ai pris un petit comme ça avec des poissons parce que William il est complètement accro à tout ce qui est poisson, marin et tout. Ça a coûté 1,59 € et le plus gros il était à 4,99 €. Donc franchement, je trouve que c'est pas très cher, sachant que le gros c'est pour deux enfants. Il y a suffisamment de trucs là pour Arthur et Victor. Voilà, j'allais pas prendre deux paquets comme ça. Voilà, on n'a pas un van, pas encore. Donc ça suffit largement. Et ensuite j'ai pris donc de quoi occuper les enfants pour les jours, je vous dis, sans école. Et à Action, c'est vraiment génial, ça coûte vraiment pas cher. Là c'est un petit pack, un petit kit. C'est un petit kit pour voilà, faire de la broderie, enfin une initiation. Donc ça c'est vraiment pas mal, moi je trouve que ça leur permet de travailler la motricité et que c'est, enfin voilà, ça les occupe et ça leur fait travailler la motricité. J'ai pris un grand 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 truc comme ça sera le cahier de dessin ou alors expression écrite
pour Arthur, pour qu'il puisse écrire. Pour Victor, il l'utilisera aussi pour faire de la peinture, pour faire des dessins. William, pareil. Ça, c'est vraiment des feuilles qui sont vachement grandes. Et on peut faire plein de trucs dessus. Et comme j'ai pris un kit, je vais vous montrer avec des tampons et tout, des paillettes. Ils vont pouvoir faire parler leur esprit créatif. Voilà, là c'est un kit comme ça avec plein de trucs à 1€ et quelques. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Il y a des tampons, des paillettes, de la colle pailletée. Donc ils vont pouvoir clairement s'occuper et faire tout ça. Donc tous ces trucs là, je vais les ranger dans le truc à compartiment. Comme ça tout va être là, tout va être organisé. J'ai repris un tube de colle comme ceci qui était pas très cher, 79 centimes, donc j'en ai pris un, on en a tout le temps besoin. Pareil, ça vous le savez, j'en ai toujours besoin aussi, les feutres, les crayons de couleur, comme ça j'aurai mon petit stock d'avance et je vais tout mettre dans la boîte à compartiments. Des cahiers comme ceci, ça c'est surtout pour Arthur, pour qu'il s'entraîne à écrire. Voilà, les lettres, les cursives, les majuscules, enfin bref, total. 99 centimes les trois cahiers, c'est vraiment pas cher. J'ai trouvé ceci. Alors là c'est un kit pour créer donc une maison et sur les côtés il y a de quoi faire son petit jardin. Donc ça c'est vraiment parfait pour les enfants, je trouve que c'est vraiment bien pour apprendre la nature, les plantes et tout. Donc là ils vont pouvoir planter des fleurs et des vraies fleurs qui vont vraiment pousser et tout. Enfin Arthur il était super emballé par ce truc là et ça coûtait 2,99€. Il y a deux décors différents et tout, enfin, je trouve que c'est vraiment bien, ça les occupe franchement facile une heure ce genre d'activité, donc c'est parfait, il n'y avait pas beaucoup, enfin le rayon de, justement de ces trucs là était dévalisé, donc voilà, mais bon bref, j'y retournerai tous les 15 jours en fait, je vais chez Action pour voir à peu près, voilà, pour voir ce qu'ils ont remis, mais bon, voilà, ça c'est pareil, c'est un kit pour... faire de la peinture, parce que Arthur voulait absolument faire de la peinture, et là c'est des tout petits pots comme ça, c'est vraiment mignon, il y a des pochoirs et tout, donc il va pouvoir faire des planètes, des oiseaux, c'est de la peinture brillante, ça coûtait 2€ et quelques, donc franchement pareil, super intéressant. Donc voilà pour ce haul Action, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.